Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Tria, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur The Last of Us remasterisé. Nous sommes dans un nouveau lieu par rapport à l'épisode précédent. Nous sommes à Jackson. Nous sommes avec le bro Tommy. Donc on est arrivé à une centrale hydroélectrique qui sont prêts à redémarrer. Et on s'était laissé là-dessus au dernier épisode parce que pour moi, je suppose que ça va puer du cul dans pas longtemps. Mais bon, c'est qu'une supposition. Après, voilà, on est dans un sofos. Il n'y a jamais rien qui va bien. Donc bon. Allez, c'est parti. Ok, c'est bon. Accélère, doucement. Alors. Voilà, c'est bon. Tommy est là. On peut y aller? Juste une petite seconde. Ok, c'est bon. Prêt? Vas-y, démarre. C'est parti. Ça. Oh, oh putain. On a réussi. Alors les mecs qui démarrent alors qu'il y a le palan encore accroché, le bouclier n'est pas fixé et tout, oh, rien à foutre. MDR. Assez impressionnant. Tu vas devoir me trouver 2 millions. Tu l'as dit. Allons en discuter. Oh, j'ai vu des trucs briller là. Oh là, vous voyez là? Quand je vous dis que ça peut plus vite faire du cul là, il y a 10 briques. Ah non, 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 non. Non, ça pue. Non, mais ça pue. Si vous souvenez un peu de la logique de la surface, s'il y a plein de briques, c'est que dans pas longtemps ça va puer. En plus, c'est une disposition avec plein de recoins, plein de trucs comme ça pour se mettre à couvert et tout. Non, mais il va y avoir fight. Il va y avoir fight, moi je vous le dis. C'est une sacrée équipe que t'as là. C'est des types bien. Cet endroit leur donne une seconde chance. Il nous donne à tous une seconde chance. Pourquoi t'as quitté Boston? Je me suis lancé dans une drôle d'aventure. J'imagine que c'est lié à cette gamine. Tout est lié à cette gamine, petit frère. Allez. Vas-y, raconte. Elle est immunisée. Contre quoi? Écoute, je le sais. Je l'ai vu respirer assez de spores pour tuer une dizaine d'hommes. Et rien. Je n'y aurais pas cru non plus. Mais je peux te montrer. Ok. Je te crois. Pourquoi l'amener ici? J'étais censé la livrer aux Lucioles. Mais vu que ce sont tes copains... T'as raison. Tu peux finir le boulot et empocher la récompense. Ça fait des années que j'ai pas vu les Lucioles. Mais tu sais où ils sont. Je ne te demande pas grand-chose, Tommy. Je veux un peu de matos. Juste de quoi repartir. Qu'est-ce qui te fait croire que je ferais ça pour toi? C'est pas pour moi, Tommy. C'est pour ta foutue cause. Ma cause, c'est ma famille, maintenant. T'es pas en train de me parler d'une promenade de santé, là. Tu te fous de ma gueule? Demande à Maria de rassembler quelques-uns de vos potes pour ils le faire. Ils ont aussi une famille, mes potes. Tommy, s'il te plaît. Tu veux du matos? Ok. Mais compte pas sur moi pour te débarrasser de cette gamine. C'est comme ça que tu me remercies, hein? Te remercie? Pour toutes ces années où je me suis occupé de nous. Occupé? Non, mais tu veux rire. Tout ce qui me reste de ces années, c'est des cauchemars. Tu as survécu grâce à moi! Eh ben, ça valait pas le coup. Je t'apporte le salut de l'humanité et tu oses jouer les petits frères pleurnichards. On n'est plus à Boston. Si tu lèves encore une fois la main sur moi, tu vas le payer cher. C'était quoi, ça? On nous attaque. Tu sais encore tuer un homme, non? Ouais. Voilà. Ça, c'est sûr, la petite embrouille qui va bien. Des bandits! Arrêtez-les! Les laissez pas entrer! Ok. Oh la vache. Ah,
Oh la vache, il est monde, dis donc. Ouais, pas un goût fighté, moi je récupère. Oh, merci. Ici, ouais. Elle est bien là. Vous voyez quelque chose? Ils sont là. Allons à la passerelle. C'était sûr que ça pue du cul. Ils entrent dans le bâtiment. Non, on est coincé. Oh, bougez pas, bougez pas. On va la prendre. Ils sont là. Ellie, casse-toi. Maria, fais chier. Eh, la zone de fight là, vous la voyez? Elle fait pas de dégâts ma carabine, c'est de la folie. Couvre-moi. Fais gaffe. J'avais dit. Oh là là, j'ai plus rien. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, al tablo. Al diablo. Oh putain, l'enculé. Putain, si je me lis pas là, ça va plus du cul. Fais diversion. On va en faire un. Mais c'est pas possible hein. Eh hey, Molotov Man là. Oh putain. Ok. Et voilà ce fils de pute. Faut qu'on joue. Oh mais dis donc ton langage. Attendez, avant. Y'a pas des balles, le mec. Alors, j'ai récupéré deux balles, mais je crois que c'est des balles de pompe, ouais, voilà. Toujours utile ça. Joël, à toi de jouer. Oh putain! Oh la vache, la cartouche qu'il m'a envoyé lui! Ok, toi c'est pouf! Ok, on prend la carabine. Merde. Ah bah non, il se fait buter au même moment. Oh, fait chier. Il doit la teuter là. Il y a encore des méchants. Le diablo. Ah bah c'est eux. Maria. Très bien. La petite est avec moi.
C'était bien trop chaud. Eh ben, dis donc. Ouais, ouais, ça va. Joël ! Oh merde ! Ils arrivaient de tous les côtés à la fois. Et puis Maria a dit, écoute, il faut courir. Alors, on a plongé derrière ces tables. Calme-toi, et calme-toi, écoute. Hé, hey, hey, et... tu es blessé ? Non ! Putain. Il faut que je te parle. C'est hors de question. Dis-lui d'aller trouver quelqu'un d'autre. Maria, je veux pas avoir ça sur la console. Tu sais le nombre d'hommes qu'on a perdu ici aujourd'hui ? Hé, hey, qu'est-ce qui se passe ? Que c'est en rapport avec moi ? On parlera de ça plus tard. Est-ce qu'il t'a dit où était le labo ? On parlera de ça plus tard. Plus tard. Je vois. Il suffit d'une fois, un seul faux pas et moi aussi je me retrouverai veuve, ok ? Je dois le faire. Je sais pas quoi dire d'autre. Très bien. Maria. Maria. C'est parti. Vous, si quoi que ce soit, lui arrive, ce sera votre faute. Elle est reconnaissante. Ouais, je sais. Je vais emmener la gamine, t'as pas à t'en faire pour ça. On ira tout droit chez les Lucioles. C'est mieux comme ça. Ouais, peut-être que tout ça finira bien. Il faut que je parle à Ellie. Répète, j'ai pas entendu. Joël ! Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Ta gamine, elle a pris un de nos chevaux et elle s'est enfuie. Eh merde, vers où ? Viens ! Eh ben d'accord. Je viens de la voir partir par là. Retourne à l'intérieur. Va aider les autres à nettoyer. Ok. Doucement, doucement. Faites attention. Allez, notre premier voyage en cheval. Capitre musique. Comme ça. Je sais pas ce qui lui prend. Aïe. C'est quand même beau hein, pour un jeu qui commence à dater. Celui-là c'est 2014, il sera masterisé. Là, d'autres traces. Ok. Bah, de toute façon, il n'y a pas 550 plus de chemin, j'ai envie de te dire. En route. Par où, par là ? Oui. Non, c'est pas un piège. Putain. Il y en a beaucoup trop. Fais le tour, je te couvre. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Oh, ça c'est con ça. Que c'est que cette merde? Oh,
tu vas le payer. Pas les couilles. Je vais chercher ici. Regarde par là. Je vais te faire cramer. Voilà. Tranquille les mecs. Oula. Hop 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 hop. A diablo. Off, a diablo. Ah, je suis sorti, putain, je suis con, j'utilise pas ce con. Ce con, je l'utilise pas ce con. Le shorty à l'arme du seigneur. Alors. Eh ben quand même. C'était le dernier. Putain de connerie toi. Hop hop hop. Encore des chevaux là. Ouais, du coup on va récupérer mes flèches hein. Tout sur la porte là. Ça je veux bien prendre ça. Viens, on file aux chevaux. Ah oui, ils viennent vers nous comme ça. Ok, c'est reparti, mon kiki. Cheval, c'est vraiment génial. Le cheval, c'est vraiment génial. Allez au galop. Ah, faut sauter, merci. Le cheval, c'est vraiment génial. Les traces continuent par là. J'espère juste qu'ils l'ont pas trouvé. S'il y a ça, il y a quand même. Pourquoi ils auraient mis un. J'essaie de trouver des zones à. Pas des zones à loot, mais. Des zones où il y a des. Collectifs, des choses à récup. Merde, j'ai pas oublié. Alors où es-tu? How are you, Helly? Ouh. C'est une rivière ça? Quoi ça? Là, près du ranch. Et notre cheval, elle doit être là. La voie a l'air libre. Ellie! Ellie! On peut la voir, mais écoute, non. Ellie! Vache la télé, toi! Hop 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 hop. Merci donc. Ouais, y'a vraiment rien à loot quoi. Voilà une de ces BD. Ah oui, les chambres, comment elles communiquent et tout, là. Hop, 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 avec ça, il y a quand même du loot, là. L'ordi portable.
Quelle doit être là? Si la porte est entrouverte, pour moi, elle doit être là. Ouais. Ok. Vitesse de soin, ça peut être toujours utile. Ça, comme ça, liquide, bam, bam, bam. Elle se souciait vraiment que de ça. Les garçons, les films. Décider quel haut mettre avec quelle jupe. C'est bizarre. Lève-toi, on y va, allez. Et si je dis non? Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu représentes? Hein? Pour t'enfuir comme ça, mettre ta vie en danger, c'est vraiment pas malin. Ouais, bah je suppose qu'on est tous les deux déçus l'un de l'autre alors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Avoue que tu voulais te débarrasser de moi depuis le début. Tommy connaît ce coin mieux que personne. Ok, désolé, mais j'ai plus confiance en lui qu'en moi-même. Arrête un peu tes conneries. Qu'est-ce qui te fait si peur? Que je finisse comme Sam? Je peux pas être infectée. Je peux me débrouiller toute seule. Combien de fois on a failli y passer? Eh ben, on s'en sort plutôt bien pour l'instant. Et maintenant, tu t'en sortiras encore mieux avec Tommy. Je suis pas elle, tu sais. Quoi? Maria m'a dit pour Sarah... Ellie. Là, tu t'aventures sur un terrain miné. Très miné. Alors là, très très miné. Je suis désolée pour ta fille, Joël. Mais moi aussi, j'ai perdu des proches. Tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. Les seules personnes que j'ai jamais aimées sont toutes mortes ou m'ont abandonnée. Toutes sauf... Sauf toi, merde. Alors me dis pas que je serai plus en sécurité avec un autre, parce que la vérité, c'est que j'aurai encore plus peur. Tu as raison. Tu n'es pas ma fille. Et je ne suis sûrement pas ton père. Alors il est grand temps de se séparer. Préparez-vous, on n'est pas seul. J'en ai deux en approche. Et il y en a encore plus à l'intérieur. Ben forcément. Alors là, cette dernière phrase, Ellie... Elle est en mode bon. En tout cas, il y a des tensions. Tu vas dégager toi? Petit con va. Putain, j'ai bientôt plus de vie moi avec ces conneries. Ah, vitesse de vie c'est quand même mieux. Hein. Allez, machette. Ouais. Vu qu'on est quasiment au toc en chiffon alcool, on peut se permettre. Pour l'instant ça va, la rota. Reste derrière. Oh la machette cacari là. Pourquoi je peux pas récupérer des balles sur lui? C'est bon, y'a plus personne. Allez, on retourne aux chevaux. C'est bon.
Veux de l'aide? C'est bon. Qu'est-ce qu'elle va nous faire, lui? Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Des films ce soir. Il est où leur laboratoire? À l'extérieur, à l'université de l'Est du Colorado. Allez, les bigorns. Ellie, descends ton cheval. Rends-le à Tommy. Je vais garder celui-là si ça te dérange pas. Allez, m'oblige pas à répéter. Qu'est-ce que tu fais? Ta femme me fait un peu peur. J'ai pas envie d'avoir affaire à elle. Désolé d'avoir volé le cheval. Écoute, reviens en ville, qu'on en discute au moins. Tu me connais, je suis têtu. L'université de l'Est du Colorado. Et où je le trouve, ce labo? Dans le bâtiment des sciences. On dirait un miroir géant, tu peux pas le louper. Prends bien soin de ta femme. Il y a une place pour toi ici, tu sais. T'es prête? Je suis prête. Adios, petit frère. Allez. Bon, direction Colorado. Hey. C'est ça, c'est un turnover. Et si on atteint les points, ouais. C'est retour au premier essai? Première tentative, c'est ça. Oh, tu parles d'une prise de tête? Ah, il suffit d'un ou deux matchs pour bien comprendre les règles. Ok, on est à l'université. Allez. Alors là, on peut appuyer sur le train pour descendre du cheval. Logique. Mais. Allez. Ok. Ces bâtiments ressemblent pas à un miroir. Bon, on va sur la place centrale. On devrait avoir un bon aperçu du campus. Je suis en train de me poser la question où se trouve le bâtiment. Parce que dans le 2, voilà, on sait où il est, etc. Voilà, on a vu. Mais c'est dans quelle ville? C'est ici? Ok, allez. Oh là, bien établi là-bas. Reste ici, Durillon. Durillon. Je pensais pas un nom quoi, Durillon. Ah bah oui, c'est ce que j'aime bien. Qui a oublié de demander son nom à Tommy. Durillon. Ah, je suis mais c'est bon toutes les. Ouais, je vais être toute seule là. Si j'ai bien compris, les gens habitaient ici et étudiaient. Alors que c'était des adultes? Ouais, étudier, faire la fête, découvrir qui ils étaient, trouver ce qu'ils voulaient faire de leur vie. Kyoko. Ah, là c'est une grosse zone à loot. Hein. Donc avant de taper l'établi, je vais regarder un peu tout autour. Ouais. Un maximum de d'écrou. J'imagine que cet emplacement fera l'affaire. 75, c'est pas énorme quand même. Capacité du chargeur. Fusil de chasse, vitesse de rechargement.
puissance, c'est ça, ouais, c'est ça. Même pour la quatrième, mais je l'ai pas. Vitesse de chargement du pompe. Non, pas besoin vraiment. J'ai réfléchi. Alors, on va faire le petit pistolet, j'ai pas mal de balles quand même. Hop, le reload. Ouais, ça a l'air bien. 14 balles dans le chargeur, je pense qu'on est pas mal là. Donc là, on va commencer à taper les étages. Merde, où je vais. Ah bah c'était là où j'étais en fait. Oula, attends, il y a des trucs là. C'était un poste de surveillance. C'est bon signe. La vache. Ok, donc ça c'était pour la lettre. Que je suis sorti du coup, revolver, j'en ai 4 là. Pompe. Or reload. Suite carabine, moi j'ai rien, donc on va garder sous le pompe. Arme de mêlée, ouais, on va en faire une. Va-t'en. Va-t'en. Chut, du vent. C'était cool. Ok, allez. Ouh, il fait un peu froid. Question de saison. Là-bas, c'est ça? C'est vrai qu'on dirait un miroir géant. Ouais, tranquille. Hein. Tu crois qu'ils sont très nombreux? Je parle des lucioles. J'imagine qu'il faut du monde pour une telle opération. Tu crois qu'il y aura des gens de mon âge? Ah ouais, elle rentre dedans et tout. Elle me suit là. On dirait des coureurs. Reste avec le cheval. Ah ouais, tu t'enfermes. Oui, je veux pas qu'il s'échappe. Je reviens tout de suite. Holy shit! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putain, comment le cheval il a entendu. Je sais pas, mais il me semble que les coureurs ils voient la lumière, donc on va éteindre. On va éteindre. Hein. Il y a du monde dans cette salle, dis donc. Ça c'est fait. Bah voilà, deux bombes. Une cartouche de pompe, j'en récupère 3 là. Ça, c'est plutôt rentable, ça.
Ça, c'était rentable, ça. Ah bon, on avait besoin d'utiliser un générateur. Ah bon. Je découvre des solutions d'énigmes sans le savoir, c'est génial. Et du coup, ça va être quoi? Ça fait quoi ça? On va descendre. Sérieusement? Ouais. Est-ce que tu t'imagines tout seul là? Oh bon Dieu, pop. Oh ouais. Alors ça pue, parce que ça sent le boss. Mais ouais. Nous avons dû relier la porte du janitor à l'étage. Et quoi? Et toi, tu voulais faire quoi? Ah. Bah, quand j'étais gosse, je rêvais de devenir... Marisa Smith. Tu déconnes. Je suis sérieux. Je chante un peu. Ah non. Même pas en rêve. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'elle chante, la gamine? Qu'est-ce qu'elle chante? Bon. On a récupéré ce petit ressort, c'est sympa. Là, on est au carrefour. Là. Ça doit être ici. Alors, une porte en bas là, on l'a vu. Hein. Là, qu'on peut pas ouvrir. Non, mais on va arriver ici. Bon, je peux remonter sous le cheval, hein. Je suis. Je consente ça. Hein. Mais j'ai remonté sous le cheval. Allez, file. Oh, c'est des singes. Ouais, et il y en a un paquet. Les petits singes. Oh, jolie place en tout cas. Derrière, ouais, c'est le truc là-bas. Ok, donc. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là. Hop. C'est qu'on s'arrête ici. Vu le temps de rec, on va pas non plus s'aventurer plus longtemps. Voilà, on y arrive gentiment, mais sûrement, tranquillement. Donc en tout cas, moi je vais vous laisser là-dessus, la suite au prochain épisode, bien évidemment. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, et puis moi en tout cas, moi je vous dis bien à très bientôt pour la suite de notre aventure sur Last of Us Remastered.